Voilà, la belle comme on dit, ça fait un moment que je l'ai, ça fait bientôt 2 mois que je l'ai. Et j'ai mis du temps à vous la présenter, j'ai mis du temps, voilà. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que du coup c'est une 2,5 WRZ. Donc c'est une vraie enduro, c'est pas une cross endurisée. C'est vraiment une moto d'enduro. C'est un truc de dingue, je vous ferai une petite vidéo si vous voulez, entre guillemets test. Voilà, à savoir que je vais essayer de bien la modifier. Ça arrive très bientôt là, j'ai fini le kit déco avec mon pote Bastien. Donc je vous mets sa page en description. Et du coup on va la monter, elle va pas rester comme ça du tout. Les couleurs, ça va changer complètement. Il y aura toujours un peu de bleu. Et voilà, on va voir pour mettre une ligne. Donc pot silencieux, les suspensions, les faire préparer par OTS. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, c'est une moto, ça fait des années que je la veux. C'est une moto qui est quand même super rare, parce que Yamaha en a sorti que pendant 2 ans, il me semble, en 2015 et 2016. Il y a très peu d'exemplaires, et surtout, ben, ça coûte cher, parce qu'il y a très peu d'exemplaires, donc c'est rare. Et c'est un rêve qui devient réalité. Je pouvais pas rêver mieux, ça fait super longtemps que j'en voulais une. Donc voilà, et puis j'ai eu la chance d'avoir les sous et de pouvoir me l'acheter. Je me le répète, mais voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est là que je mets toutes les stories. Vous allez voir plein de stories avec cette moto, avec la supermode, des contenus que vous ne voyez pas sur YouTube. Donc c'est vraiment important d'y aller. Les photos, les vidéos, tout est là-dessus. Il y a aussi Snapchat, il y a aussi Facebook. Mais vraiment, Instagram, c'est le top du top. Donc je vous mets le lien pareil en description. Et voilà, encore merci à tous, merci à vous. Sur ce, on se retrouve très bientôt. La moto, elle va complètement changer. Et je pense que vous n'êtes pas prêts parce que cet avion-là, ça plaisante pas du tout. Everywhere we go to, drinks that keep on pouring till the honeymoon. They say everywhere we go to.